que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul YesStyle et il était grand temps que je fasse cette vidéo. J'aurais dû vous la faire depuis un long moment, mais c'est vrai qu'actuellement, je suis en plein dans mes vidéos calendrier de l'Avent. J'aime trop cette période quand je commence à spoiler les calendriers de l'Avent et vous aimez d'ailleurs et également. Donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Et du coup, bah, les autres vidéos passent à la trappe. Mais là, clairement, je me suis dit, il est grand temps que je fasse cette vidéo haul. Et donc, on se retrouve avec un haul YesStyle, comme vous avez pu le comprendre. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le site YesStyle, hein, vous allez retrouver essentiellement tout ce qui est K-Beauty sur le site. Il y a également des vêtements. Franchement, moi, je trouve qu'on trouve de beaux articles sur ce site-là. Le prix est également plutôt raisonnable, d'autant plus si vous utilisez mon code promo qui est WONDERFAMILY. Celui-ci, il ne change pas, il est toujours valable, il est également en barre d'infos. Comme dit, en barre d'infos, vous retrouvez également plusieurs codes promo que j'ai en ma possession. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai sélectionné sur le site pour tout vous dire, étant donné que ça fait déjà un petit moment que j'ai les articles chez moi et que j'ai passé commande également il y a déjà quelques temps. C'est vrai que les articles mettent un peu de temps à arriver, voilà, parce que faut savoir que le site YesStyle, c'est vraiment tout ce qui est coréen. Donc voilà, c'est pas la porte à côté, hein. Le temps que ça fasse le trajet, et bien forcément il y a des semaines qui s'écoulent, à moins que vous preniez la livraison rapide, mais franchement je trouve que c'est hyper cher. Donc voilà, moi je me contente de la livraison standard. Donc j'ai pris des articles de beauté, j'ai également pris des vêtements, mais là pour tout vous dire, il est tard et j'ai vraiment pas envie de faire les essayages des vêtements. Donc je vous mettrai des photos des mannequins s'il y en a. Mais bon, vous allez voir que niveau vêtements, j'ai pris vraiment des petits basiques et rien de plus. Bon, allez, on passe de suite aux articles que j'ai pris. Comme dit, je vous mettrai le lien de chaque article que je vous présente en barre d'infos parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de retrouver. Voilà, il vous suffit juste de cliquer dessus et le tour est joué. Vous avez l'article sur votre écran. Alors, qu'est-ce que j'ai pris tout d'abord? Tout d'abord, j'ai pris de la marque Baby Stinky. C'est en fait... Oh, ça m'étonne que c'est écrit en français parce que bien souvent, les produits de beauté que vous achetez sur le site YesStyle, eh bien, rien n'est écrit en français. Tout est écrit en coréen et en anglais. Et donc, pour ma part, je comprends strictement rien. Mais là, par chance, c'est écrit en français. Mais bon, vous allez me dire, franchement, c'est pas compliqué de deviner ce que c'est. C'est en fait un masque pour les mains en tissu qui se présente ainsi. Je suis très très curieuse d'utiliser ce masque-là parce que c'est vrai que bien souvent, on parle des masques pour le visage. Pour les ongles, on en trouve également chez Action, les pieds. Mais c'est vrai que pour les mains, c'est plutôt rare, quoique si on en retrouve également chez nous. Donc celui-ci, il est au beurre de karité et il va permettre d'hydrater intensément les mains rêches. Donc j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris? Ah, ça c'est pour le nez, pour enlever tout ce qui est points noirs. Donc c'est de la marque All Kill, je pense. Donc c'est un stick, comme je vous l'ai dit, pour enlever tout ce qui est points noirs sur votre pif. Donc ça c'est vraiment très très bien parce qu'actuellement c'est vrai que j'ai des points noirs. Quand je me regarde au miroir de plus près, et bien on voit que j'ai des petits points. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, on verra bien. J'ai déjà testé un masque pour le nez, c'est pas un masque, oui, un truc, un truc à bidule comme vous voulez. Pour enlever les points noirs sur le site YesStyle et j'étais très très satisfaite. Et d'ailleurs ça faisait de la mousse, c'était trop marrant, enfin j'ai trop aimé. Et donc voilà, hein, je vais tester celui-ci et on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore au niveau produit de beauté? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, eh bien c'est un masque pour le visage, donc c'est Bubble Clay. Donc ça se présente ainsi et il y a un petit cochon dessiné dessus. Hop, la mise au point, c'est parfait. Donc je pense que c'est un masque en argile, enfin ça en a l'air. Après il y a écrit Bubble Clay. Alors est-ce que ce masque fait des bulles? Alors forcément, comme je vous l'ai dit, c'est pas écrit en français. J'ai pas de chance pour le coup. Je vais vous l'ouvrir histoire de vous montrer comment que ça se présente. Franchement, moi j'adore trop les masques que vous trouvez sur le site YesStyle. Enfin, j'en ai plusieurs en ma possession. J'en ai un à la betterave.
J'en ai un comme les glaces M&M's, vous savez, avec des petits... Ouais, on a vraiment l'impression que c'est en fait les glaces M&M's du McDo que je m'étale sur le visage. J'ai trop aimé. J'ai testé déjà un masque pour l'argile également sur le site Yestyle. Enfin, j'ai déjà testé pas mal de masques. Et donc là, je vais tester celui-ci. Et donc, il se présente comme cela. Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir. Ou je l'ouvre, ou est-ce que je vais l'ouvrir? De toute façon, je vais tester prochainement. Vous savez quoi? Je vais l'ouvrir tant qu'à faire. Parce que bien souvent... Non, et la spatule, elle n'est pas dans la boîte. Bien souvent, avec les masques que vous achetez sur le site Yestyle, enfin, surtout pas, enfin, surtout les masques, vous savez, à texture, à appliquer avec un pinceau, c'est plus pratique. Avec les doigts, ça évite que vous en mettez partout. Et bien, ce qui est bien, justement, sur le site Yestyle, c'est qu'eux, ils mettent, en fait, des petites spatules. Donc, c'est hyper pratique pour appliquer. Alors, est-ce qu'il y en a un avec celui-ci? Non. Bon, là, il n'y en a pas avec, mais bon, c'est pas grave, j'en ai toutes. Ah, mais si, il y en a! Ah, mais par contre, là où ils l'ont mis, c'est pas du tout... Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a une petite spatule, là, au couvercle. Bah, alors là, franchement, c'est la mauvaise idée d'avoir mis ça là en dessous, parce que forcément, il faut se dégueulasser... Non, pas sans parler. Il faut se dégueulasser les mains pour la sortir de là. Donc, ouais, c'est moyen. Le masque, ils sont... Franchement, ils sont trop, trop bons. Et ouais, effectivement, c'est un peu une texture argile, comme vous pouvez la voir. La couleur également, couleur grise. Je pense que ça va dessécher, vous savez. Et voilà quoi. Maintenant, bubble, est-ce que ça fait des bulles? On verra bien. Je vous mettrai en commentaire si jamais ça fait des bulles. Je pense que je vais le tester cette semaine, étant donné que je fais plus des vidéos pour le terminer. Parce que voilà, c'est carrément un gros flop sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça en intéresse très peu. Donc je fais plus ce genre de vidéo, je vous mets tout ça. Je vous mettrai en commentaire si ça fait des bulles ou non. Parce que peut-être que certains d'entre vous se disent s'il fait des bulles, je l'achète. Et si ça fait pas des bulles, je ne l'achète pas. Ensuite, j'ai reçu un petit échantillon comme cela. Bien souvent, quand vous achetez sur le site Yestyle, ils vous ajoutent des petits échantillons. Voilà. C'est vraiment très très pratique. Voilà, vous pouvez tester un produit et après, si cela vous convient, l'acheter. Donc là, c'est de la marque. Prem, je pense que ça se prononce ainsi. Donc c'est en fait un sérum, donc c'est le Radiance Boosting, c'est capsule. On va tester ça et on verra bien. Et pour finir, ah non, j'allais dire dernier produit beauté, non, c'est pas le dernier Marina. J'ai pris de la marque La Neige, c'est une marque que j'aime énormément, franchement, elle est géniale cette marque-là. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut également de temps en temps retrouver un produit de cette marque dans certaines box beauté. Si je dis pas de bêtises, et franchement moi j'adore trop cette marque, j'ai déjà testé plusieurs de leurs masques pour les lèvres, vous savez, appliquer sur les lèvres avant de vous coucher. Et donc là j'ai pris celui-ci que je n'ai jamais testé forcément, hein. Donc c'est celui à la pomme, donc ça se présente comme cela, et donc je vais vous l'ouvrir, hein, parce que forcément je vais le garder ce produit-là. Ah bah ça, j'avais jamais auparavant, en fait. Vous voyez? Franchement, j'adore sur le site Yestyle parce que tous les masques que vous recevez, bien souvent, vous avez quelque chose pour l'appliquer avec. Alors que chez nous, en France, franchement, je trouve que c'est plutôt rare de trouver une spatule à l'intérieur. En même temps, ça devient rare, hein. J'achète de plus en plus rarement des masques ici, chez nous. Bien souvent, c'est sur le site Yestyle pour ma part. Bref, je vais arrêter de parler parce que la vidéo va durer 15 heures et pourtant, j'ai pas 1000 produits à vous présenter. Donc, marque La Neige pour appliquer sur vos lèvres. Vous voyez, une petite spatule comme ça. Hop, fait la mise au point. Et très bien. Une spatule, comme vous pouvez le voir, elle est en silicone. Donc, très très bien pour appliquer sur les lèvres. Ça évite... vous trempez le doigt dedans justement et que après ben voilà, enfin je suis trop trop fan. Et ben je vais tester ça dès ce soir, on est le soir au moment où je tourne cette vidéo. Et donc ah oui, ça sent la pomme, ouais. Et donc vous voyez, c'est une texture comme cela, un peu une texture dure mais fondante à la fois quand vous allez appliquer sur vos lèvres, vous savez, c'est comme un peu un baume à lèvres et on sent effectivement bien la pomme. Donc, je vais tester ça dès ce soir. Je vais poser ça sur ma coiffeuse. Une fois que je serai démaquillée, allez, c'est parti. Un petit masque sur les lèvres pour la nuit. Et pour finir, je me suis pris... Oh, le foutoir que j'ai fait. Je me suis pris un gloss.
Ça, c'est vrai, des glosses, j'en mets de plus en plus, surtout en été. En été, j'aime pas mettre de rouge à lèvres parce que j'ai l'impression que ça, je sais pas comment dire, ça fond en fait avec le soleil et la chaleur. Donc, je préfère mettre un gloss, un petit brillant à lèvres. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa en été. Et donc, je me suis pris un gloss. Petite curieuse que je suis, petite impatiente que je suis, je l'ai déjà testé, hein, je l'ai déjà ouvert, j'ai pas pu attendre de faire ma vidéo. Donc c'est ce gloss là et franchement je le kiffe de ouf. Donc c'est le... Alors attendez, la marque est écrite sur le capuchon. Alors ouais bon, je vais pas vous le dire la marque parce que de toute façon je vais l'écorcher. Donc c'est en fait la teinte 01 Sano Crush. Comme dit, si jamais vous voulez ce gloss, je vous le mets en barre d'infos. Hein. Voilà, ça sera plus facile. Donc il se présente comme cela. Alors j'étais très très... étonnée quand je l'ai ouvert pour l'appliquer sur mes lèvres, en fait, à cause du petit ustensile, petit goupillon. En fait, je sais pas, je vais essayer de me rapprocher au mieux. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop bizarre comment que ça se présente. Alors déjà, c'est en silicone, l'embout, hein. Et ouais, je suis trop étonnée de la façon, mais c'est hyper pratique à appliquer. Et ce qui s'est passé, en fait, quand je l'ai appliqué sur mes lèvres, c'est que j'avais une... Ça me faisait penser au chewing-gum Hollywood à la menthe. J'avais l'impression d'avoir étalé un chewing-gum Hollywood sur mes lèvres. Enfin, franchement, ça sent hyper bon. Il sent trop trop bon ce gloss. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris la teinte 01 Sano Crush et j'adore trop. Franchement, il a une senteur sur les lèvres. C'est trop bizarre. Franchement, je kiffe de trop ce gloss. Je pense que je vais m'en recommander parce qu'il y a d'autres teintes. Hein. Bon, en même temps un gloss ça n'a pas vraiment une teinte, mais ouais, j'ai trop aimé la senteur d'avoir de la menthe en fait sur les lèvres. Enfin, après il faut aimer la menthe, mais ça picotait un peu, ça picotait sans vraiment picoter. Enfin je sais pas comment vous décrire ce gloss, mais j'ai trop aimé. Bon, je vais mettre ça de côté parce que sinon ça va faire trop de potins. Ensuite, on va passer à la partie vêtements. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire d'essayage clairement parce que il est tard. J'ai qu'une hâte, c'est de me coucher. Enfin, voilà. Mais bon, il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Donc, j'ai pris un haut. Alors, j'ai déjà un haut de ce type dans mon armoire, mais de couleur noire. Et quand je suis tombée sur le haut là, j'ai dit, mais trop bien, je vais pouvoir le prendre en blanc. Bon, il n'a pas la même matière que celui que j'ai déjà en ma possession et que j'avais acheté sur le site. Est-ce que je l'avais acheté sur le site Shein? Je sais plus. Donc c'est un haut comme cela. Donc c'est un crop top, un haut court en fait. Donc qui est... bon, je vous mettrai la photo portée. Hein. Comme dit, je ne vais pas faire l'essayage. Et qui se présente comme ça. Donc là, vous avez la partie pour cacher la poitrine. Et en fait, c'est un peu juste ouvert, vous savez, au-dessus du nombril également. Mais il est trop canon ce haut. Moi j'ai déjà le même en noir et j'aime de trop. Et franchement je suis pas déçue du tout. Je trouve vraiment très joli. La matière pareil, voilà, elle est hyper bien. Bon, ça c'est pour l'été. Mais ouais. Donc voilà, j'ai repris un haut comme cela que j'ai déjà en couleur noire. Alors je m'excuse du bruit du sachet. Je sais que c'est désagréable pour vos oreilles. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Donc, j'ai pris... Alors, vous allez voir, c'est vraiment des petits basiques. J'ai pris un short comme cela. Donc, c'est un peu un short en matière, vous savez, jogging de couleur rose. Voilà. Ça, c'est très bien pour traîner à la maison. Enfin, même en ville. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, un petit short comme cela pour l'été. Couleur rose. Alors c'est pas parce que je vous présente des vêtements de cette couleur là qui ne sont pas disponibles dans une autre couleur, hein. Comme dit, je vous invite à aller voir sur le site. Donc bon, je pense que j'ai pris en taille S, ou sinon c'est taille unique. Ouais, voilà, c'est en taille S. Donc voilà, un petit basique comme cela. Vous savez ce que je vais faire, je vais ouvrir mes sachets et je vous reprends de suite parce que je pense que c'est vraiment trop désagréable les bruits de sachets. Je sais que personnellement je supporte pas ça, donc je vais pas... vous casser les oreilles non plus. Donc j'ouvre mes sachets et je vous reprends. Bon voilà, je les ai tous ouverts, au moins je vous casse plus les oreilles. Ensuite j'en ai pris un autre, un short, mais de couleur un peu plus rose clair. Franchement la matière elle est hyper top. Voilà, c'est pas hyper fin, donc voilà, très bien. Donc, petit basique également, couleur rose clair. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ah, c'est une brassière comme cela. Alors pourquoi j'ai pris ça?
Donc une brassière comme cela, noire. Bon, c'est assez épais, ça c'est très très bien quand pour faire du sport par exemple. Mais je fais pas de sport pour tout vous dire. Donc bon, moi j'ai pris ça pour traîner à la maison. Donc voilà, c'est un petit haut comme cela. Donc pareil, un crop top. Et en fait j'ai pris avec, donc c'est pas un ensemble, hein, je précise bien. J'ai pris un short qui va avec. Alors c'est un short, pareil, hyper long. Enfin, je sais pas si vous voyez, enfin par rapport aux autres shorts qui sont beaucoup plus courts. Voilà, celui-ci est beaucoup plus long. Donc voilà, le petit haut noir avec ça, ça c'était plutôt pour traîner à la maison en fait. Vous savez, voilà, les dimanches, jours de flemme. Ça c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un haut, franchement comme je vous l'ai dit, je me souviens même plus de ce que j'ai pris. Un haut comme cela, vous savez, col bateau, couleur noire, un petit basique, hein, c'est vraiment des basiques que j'ai pris. Donc manche 3 quarts, enfin, franchement il est très très sympa. Franchement niveau, comment dire, niveau matière, j'ai jamais été déçue. Franchement, enfin niveau matière, ouh, il est temps que je me couche. Niveau qualité, j'ai jamais été déçue des vêtements de chez YesStyle, croyez-moi. Enfin, j'ai jamais eu de soucis particuliers, mais peut-être déjà arrivé, allez, une ou deux fois depuis le temps que je connais le site YesStyle, pour tout vous dire. Voilà. Donc, mais autrement, j'ai jamais été déçue. Donc, un petit haut basique, couleur noire, col bateau, comme je l'ai dit. Bon, la plupart des vêtements, je pense que c'est en taille S, sinon c'est en taille unique. Donc, voilà. Et pour finir, j'en ai pris un autre, un short. Donc là, j'ai pris deux couleurs jaunes. Donc, vous voyez, j'ai pris trois shorts exactement pareils, sauf la couleur qui change. Donc là, j'ai pris un petit jaune clair très, très sympa. Ça change, voilà. Ça change des couleurs qu'on a d'habitude, blanc, noir. Enfin, moi, je sais que j'ai énormément de ces deux couleurs-là dans mon armoire. Mais le reste, pas trop. Donc, je me suis dit, allez, on change. Et donc, voilà. Voilà un peu concernant ce haul et YesStyle, ce que j'ai pris. Donc, comme je vous l'ai dit, niveau vêtements, des tout petits. De basique, hein, rien de ouf. Voilà, je m'excuse pour le fait que je ne fais pas d'essayage, mais franchement, il est hyper tard au moment où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas la force de me déshabiller, rhabiller. Oh, ça me rend un temps fou. Alors ne m'en voulez pas, je vous mets des photos des mannequins. Enfin, je vous ai mis des photos des mannequins s'il y en a. Puis comme dit, voilà, c'est pas des vêtements de ouf. Voilà, hein, j'aurais eu des robes. Voilà, des tenues un peu plus habillées, oui, peut-être que j'aurais fait l'effort de me changer, mais là, clairement, non. Pour vous montrer un short, voilà, en plus, c'est trois fois le même short, sauf que la couleur, elle change. Voilà, je vois pas trop l'utilité. Et puis, les quelques produits de beauté. Et comme dit, le gloss, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Enfin, le masque, je sais que je vais également l'aimer, le masque pour visage. J'ai hâte d'essayer le masque pour les mains également. Et le masque pour les lèvres de la marque Laneige, je sais que ça, je vais trop aimer. Enfin, franchement, c'est une marque que j'aime énormément. Et donc voilà, concernant cette vidéo haul et YesStyle, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, surtout n'oubliez pas de me mettre le petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant, plein de gros bisous et à bientôt.